panza biloko batu yeyo oyo aloko panza biloko batu yeyo ndame ndema banga toke na ye yabo filma ki ya dai manje na ai manje na kaka tu wala ya neto sufuri ya ba jeune niveau to nyo kwa mafor so landi la plupart wa jeune jeune na Congo. So côté nanda kuna baoza la contre Covid, ça laisse à désirer. Et d'ailleurs, il vous souviendra qu'il y a même des enquêtes qui sont ouvertes parce que cette gestion est calamiteuse. Comment vous pouvez comprendre que les équipes de riposte entrent aujourd'hui en grève parce que le gouvernement ne remplit pas ses obligations? Voilà pourquoi, nonobstant le fait que l'état d'urgence a été prorogé au niveau de l'Assemblée nationale, des députés responsables ont dit, ont lancé un message au président de la République que toutes les dispositions soient prises, au moins que ce soit une dernière prorogation. Et les mesures responsables doivent être prises pour ne pas asphyxier davantage le peuple congolais. Merci beaucoup. Ma policier force de l'ordre de Pelokola. Mais maintenant, ma paix est honorable. Ma paix, c'est quoi? Il y a trop d'infiltration. Tout à fait. Honorable, s'il si y a seulement les militants pour infiltration de l'équipage. Tout à l'heure là, sur Asosa, des gars. Yango to boya ki kokende na asosa. Bande comme ce soit babanda yeb sa biso asosa. Bo pesinga y raison si ko. C'est d'abord honorable. To loba ki pe clairement. Mutu nyoso ya yepo na mayele ya kolokota libanga ou bien abu kabiloko ya bato a longwa na melongo na biso. Biso e ali marche pacifique. Ba konzina biso ya lamuka ba loba ki marche pacifique. Ba lingi koyo kate ke militant moko ya lamuka asimbaki libanga ou bien abukaki eloko ya moto toboyi na biso ezali marche pacifique to sto sali e monani binonde bolengela biso. Merci beaucoup. Yane to soufouye ba jeune niveau to nyo kwa mafor so landi la plupart wa jeune na Congo so koti na ndako na baoza la tali dimba tia pantalon jean na za na ngote tokoma ofifwe kana batombola. Il y a un homme qui est venu pour la bundate, pour la police, pour l'état de droit. Je ne sais pas si je suis un homme qui a été un homme qui a 30 ans d'économie. Mais je ne sais pas si 30 ans d'économie, je ne sais pas si je suis un parent. Si je suis un homme qui a été 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 un homme. Papa na ye azam ta gouvernement na mitso état de droit so sa na gouvernement te ate logo za na moto. On
On a été sur un gars. Mais ça pas le mot avec la à c'est bien, il y a des gens qui ont été fous. Allô? Ils sont au peuple, tout quand ça passe, ils attendent en Kabila, ils ne vont pas. De l'autre, il va falloir échanger. Tu vois la pousse en bourre échangée, je les vends bien. Pour toi, c'est trouvé dans le salle. Tout quand ça passe, ils attendent en Kabila, ils ne vont pas. Banda, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. Nous allons passer, si tu as un commis. Nous allons passer, nous allons passer, nous allons passer. Nous allons passer, nous allons passer, nous allons passer, nous allons passer, nous allons. Prêt pour la marche qu'il a convoquée pour le lundi 13 juillet 2020, le président Moïse Katumbi est arrivé à Lubumbashi en fin d'après-midi ce dimanche. Tard dans la soirée, une importante délégation de la Fondation Katangaise a sollicité de le rencontrer à son domicile. Son président en livre les points forts. À ma qualité de président national de la Fondation Katangaise, père de tout le monde, les Katangais de toute tendance, je suis venu rencontrer l'honorable président Moïse Katumbi Tshakwe comme mon fils pour deux points. Le premier point, lui dire bonjour, puisque depuis son retour, il n'a jamais reçu la délégation de la Fondation Katangaise. Et le second lieu, d'échanger avec lui au sujet de la marche qu'il tient à organiser demain lundi 13 juillet 2020. Il est à dégager fort malheureusement que la situation n'est pas bonne. Le confinement est devenu une arme politique pour certains afin de fouler à pied les intérêts et les droits fondamentaux du peuple. Pire encore, il y a des esprits malsains de certaines personnes qui veulent, de gré ou de force, infiltrer la manifestation afin qu'on puisse chapeauter des sales besognes. Et de là, nous avons constaté qu'il y a une main noire qui veut tuer les personnes. Ainsi donc, nous venons de demander son indulgence afin qu'il puisse sursoir, qu'il puisse reporter la dite marche en attendant d'harmoniser les relations avec les autorités et de mettre au clair toute situation. Étant dignitaire d'État, ambassadeur de la paix, artisan de la paix, il est de mon devoir de lancer aussi un appel à tout le monde, à tous les Katangais, l'appel à l'unité,
l'appel à la paix et ainsi à toutes les associations sœurs qui ont préféré venir vivre avec nous au Katanga, de rester calmes et de cesser de distiller des propos désobligeants et provocateurs. Voilà le message à l'ordre du jour. Vous allez comprendre pourquoi la marche de demain est reportée. C'est suite à cette demande de la Fondation Katangaise. Dans la même ligne de conduite, puisque nous savons, à travers cette marche qu'on tenait à organiser demain, il y a des politiciens qui ont des esprits malveillants qui voulaient aussi incriminer dans cette marche pour qu'il y ait des problèmes entre Katsaïens et Katangais et qu'on puisse dire que c'est Moïse qui est à la base. Nous ne voulons pas. Ces politiciens, ils sont en perte de vitesse. Ils cherchent le repositionnement. Et nous ne sommes pas d'accord. Moïse, c'est un président qui a toujours souhaité, qui a toujours voulu l'unité entre toutes les communautés. Minawaza tunasema tunaita bantu bote ku amani. Tulikuwa kumona president Katumbi mungina ya kusema tuku bazazi yake. Tunaomba vile tunakatala damu imwangike tena a reporter marche yake ya kesho e reporter juu tusikilizane mbele tuone ba autorite bote juu ya kusema Katanga ya pe shi bote. Mtu anatafuta kutembea, anatembea, bana muankadre. Juu ya kusema na bo, siku batatafuta kutembea, kushikwe problem, kushikwe mafujo, kushikwe bia kuwana, tuku shibote bantu ba mtu moya, tunapasha kuikala pa moya. Alhamdulillah.